Ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon Let's Play, Hearts of Iron 3, avec rapidement une reprise de Saipan. C'est presque fait maintenant. Ah non, ça commence à m'énerver un peu parce que ça fait beaucoup. J'ai plus de troupes moi, je suis obligé d'envoyer celle-là. Ça commence à faire beaucoup de révoltes en même temps. Bon là, eux ils interceptent rien du tout, hein, ça c'est habituel. De ce point de vue là, pas de surprise. Oh putain, j'ai perdu mes deux sous-marins. D'un coup. Ça ne sert à rien les sous-marins. Il n'y a vraiment que l'ordinateur pour copier un résultat avec. Eux, ils vont rentrer là. En plus, pour le prix que ça coûte, c'est la folie, quoi. Bon, faut dire, les miens sont pas technologiquement. Ils ont pris beaucoup de retard. J'ai fait aucune recherche dessus, hein. C'est ça qui aide pas aussi. Faut être honnête. Mais je pense que je vais pas m'en servir. Ils sont. En plus, ça me coûte du ravitaillement, ces conneries. Pour rien. Et il s'est fait couler d'ailleurs. On n'a pas eu le message, je crois qu'il n'y avait pas de perte d'affiché, mais il a bel et bien été coulé. Je sais pas, en tout cas, les survivants rentrent à la base et je pense qu'ils ne sortiront plus avant longtemps. Je vais pas les laisser là d'ailleurs, je vais tous les ramener au Japon. Ok, là je peux embarquer. Je vais aller prendre mon artillerie. J'aurais pu faire l'inverse, amener l'artillerie plus tôt, c'est. Bon, peu importe. Ça revient au même. Bon, eux, ils vont rentrer. Et ils serviront plus. Donc là, je vais commencer à m'avancer en Australie. Vers. Wewak, c'est ça? Ouais, Wewak, je sais pas comment on dit. Et puis je vais ramener plus de troupes. J'espère que je vais pas me faire intercepter. Ouais, ça a l'air d'être bon. Alors, il faudrait aussi que je continue dans les parages. Peut-être. Ici, je crois que c'est le port anglais le plus proche, celui-là. Ceux-là sont plus éloignés. Bon, de peu, hein, ça se joue à peu, mais. Le problème, c'est que je commence à manquer de troupes terrestres. Je pourrais utiliser. Non, celle-là utiliser, celle-là aussi. Ok, là c'est bon. Je peux rentrer à la base. Ouais, là, ça a commencé à me saouler. Faudrait que je libère tous ces pays à la rigueur. Ça m'énerve de les avoir conquis et d'être obligé de les libérer après. Redéploiement. Où ils en sont ceux-là? Ils arrivent un peu. Ouais, c'est un peu long. Bon, par contre, je vois que les espions, j'en fais un peu trop là. Il va falloir que je change ça. Alors, les espions, je vais juste en faire un peu moins. Ouais, par contre, ça a augmenté la diplomatie, j'en ai plus besoin. Donc, je vais juste faire un peu d'officier.
Ok, 31 sciences, ça n'a pas changé. J'ai quelques sciences qui vont arriver là, c'est bien. Alors, si je veux commencer à réorganiser, ça c'est mon théâtre de guerre pour la Chine. Ça c'est mon groupe d'armée. Dans le groupe d'armée, je vais le rapprocher ici. Et je vais rapprocher mes armées ici. Première armée. Il va me falloir deux armées, je pense. Ouais, celle-là aussi. Ok, je pense que ça sera bon. Il faudra juste que je raccroche les corps. Donc eux, ils vont vers la base aérienne. Eux, je pense qu'ils peuvent attaquer. On va voir ce que ça va donner. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'attaque terrestre. Ah bah, il n'y a que des QG en fait, donc ça va être vite réglé. Ok, là c'est bon et là c'est bon. Comme ça, c'était vite fait. Bon, eux ils continuent, qu'est-ce qu'ils font? C'est moi qui leur ai dit d'aller là-bas? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi qui ai fait ça? Ça m'étonnerait. Patrouiller ici. Je sais pas ce qui s'est passé là. Bon, en tout cas, je vais préparer mon débarquement. Ok, là je suis arrivé. Je vais prendre mon artillerie avec moi. Merde, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai dit, je vais prendre mon artillerie avec moi. Fusionner ça. Et c'est parti. Il faut qu'on arrête absolument cette révolte, cette milice. Ils n'avaient pas besoin d'artillerie pour arrêter les milices, mais bon, c'est comme ça que je fais mes divisions. 3 d'infanterie et une artillerie. Ok, ils avancent. J'ai dû finir de l'infrastructure ou quelque chose comme ça. Ouais, je pense que c'est ça. Bon, passage. Ah, c'est peut-être des convois que j'ai fini. J'en ai plus que 130. À mon avis, c'est des convois que j'ai fini plutôt. Ok. Et là, ils vont progresser, faute de troupes pour les arrêter. Ah non, là, ça commence à m'énerver parce que... Ah putain, j'ai plus de troupes là, c'est bon. Je peux pas mettre une autre troupe. Voilà, j'en ai combien comme ça? J'en ai 4. J'étais obligé d'envoyer celle-là, pas le choix. Ça va me ralentir à la fin. Bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Donc ici, j'attends que tout le monde soit revenu. Et j'irai me positionner à Ponapé, peut-être. Ou ici, à Truc. On verra. Alors là, je peux plus avancer comme d'habitude. Il va y avoir des problèmes d'infrastructure. Ici et ici. Voilà, là, ben, j'ai pas d'autre choix que d'aller vers l'Australie en fait.
Là. Ah, ça m'énerve. Canapé, ouais, c'est parce que j'ai un. Mes avions sont ici. Mais ma flotte est ici, donc il faut du ravitaillement. Moteur de croiseur cuirassé, ok. Bon, allez, ils se grouillent, eux. Ouais, ça va me stresser, ça. Ça va recommencer à me stresser. Tokyo Saipan, deux navires de transport coulés. J'aurais beau les rejeter le plus loin que je peux, visiblement ça ne change rien. C'est con là, j'ai laissé un trou. Bon, pour l'instant je vais pas avancer plus que ça, j'attends que tout le monde soit arrivé. Je vais faire d'autres convois. Je vais carrément en faire 5. Je vais faire des destroyers. Je vais en faire 2 pour l'instant. J'ai de quoi les faire. Par contre, il faut que je fasse gaffe, je suis à 42 000 de ravitaillement, ça diminue. Ok, j'ai de quoi produire 223, donc c'est parfait comme ça. J'ai des convois qui arrivent bientôt. Ouais, je commence à avoir peut-être un peu trop d'escorte. Faudrait peut-être que je me calme sur les escortes. J'en ai 15 de trop là. On verra, on avisera. C'est bon là, il a bientôt fini. Là, ma flotte, elle est quasiment réparée. Je pense que je vais profiter. Je vais en profiter pour aller ici aider au débarquement. Voilà. Putain, ils sont rapides, hein. J'espère que je suis plus rapide qu'eux, mais j'ai pas de certitude. Alors, j'ai 11 de déficit, je sais pas trop pourquoi. Ah, c'est ces chiffres-là qui ont dû baisser. Ok. Et merde. Ah bah, ils essayent carrément de débarquer là où je suis. Comme ça va me simplifier la vie. Par contre, eux, finalement, je vais les faire venir ici. Oh putain, c'est une maxi flotte. Je peux rien faire contre ça. 4 porte-avions. Ouais, non, je peux rien faire. Je m'en vais. J'ai dégusté là. Ouais, un peu trop. Ah, fait chier, du coup j'ai encore perdu une île. Je peux pas faire grand chose malheureusement. Je sais pas comment je vais faire avec les Américains. Il va vraiment falloir que je développe ma flotte. Eux, ils ont plus qu'à rentrer réparer. À chaque fois, ils viennent avec 4 porte-avions, c'est bon. Porte-avions, c'est exactement mon total de porte-avions actuel, donc ça fait un petit peu beaucoup, je dois dire. Bon, là, ça continue. Comment je vais faire? Je vais utiliser celui-là.
J'ai l'impression que je suis plus rapide que lui quand même. Ouais, j'ai l'impression que je suis plus rapide. Bon. Alors ici, le redéploiement. Toutes mes troupes sont là. Je vais pouvoir les disperser. Ok, là comme ça c'est parfait. Là c'est bon. Là par contre j'ai peur que toutes les troupes soient pas là, loin de là même. Ouais. Pourquoi le trait est là? Non d'accord. Ah bah si elles sont là, il y en a 5 ici. Elles arrivent en fait, elles sont pas si loin que ça. En plus, j'ai que deux provinces à couvrir, donc je vais pouvoir entasser, empiler des troupes. Alors là, c'est pareil, il faut que je me déploie. Ok. Ce que je vais faire. Je vais me décaler ici. Un déploiement stratégique, ça risque d'être trop lent. Là, je vais occuper ces trois territoires-là avec avec ce corps. C'est juste super lent. Pourquoi il commence pas mon débarquement là? Chier. Je vais retourner là vite fait. Donc là voilà, ici c'est perdu dans l'immédiat. Je vais essayer de le reprendre évidemment, mais bon. Ça va pas être facile sans flotte. Sans une bonne flotte. Celle-là, elle va aller ici. Je vais attendre un peu avant de les reprendre. Hein. J'attends que les 4 porte-avions soient partis. Je sais pas où ils sont évidemment, je peux pas savoir, mais. Je veux vraiment m'en débarrasser. Enfin, attendre qu'ils soient partis. J'ai du ravitaillement là, ça devrait être possible. Pourquoi il a pas voulu débarquer tout à l'heure? Invasion, c'est impossible. Je suis pas en guerre contre l'Australie, ce serait nouveau. Bien sûr que si, je suis en guerre. Pourquoi je peux pas débarquer? Peut-être. Merde. Je vais attendre un peu. C'est même pas un manque de ravitaillement, j'en ai un petit peu de ravitaillement. Ouais, pourquoi je peux pas débarquer ici? Ah, c'est pas. Ah, quel boulet, c'est au Portugal. Donc tout ça en fait, je peux pas le conquérir. Il n'y a pas de port. Le Portugal est en neutre. Non, d'accord, c'est juste que la couleur m'a trompé. Ok, donc il reste pas tant que. De port que ça en dehors de l'Australie. Enfin si, là quand même partout sur toutes les provinces il y a des ports. Ça va être long. Alors est-ce que je peux débarquer ici? Ouais. Bah c'est parti. Eux ils sont vraiment neutres, hein, tout ce qu'il y a de plus neutre, ouais. Je vais me redéployer ici pour l'instant. Ouais, je sais, je sais. C'est très ennuyeux ça.
Là, je produis pas mal quand même. 218. 218 entièrement consacré à la production. C'est pas mal du tout. Bon, évidemment, il y a le petit problème que je produis pas assez de ravitaillement. Du coup, je suis à 40 000. Je suis passé de 99 000, je crois. Je crois que j'étais monté à 99 000. Jusqu'à 40 000. Donc, j'ai bien perdu. C'était le but. Armement principal de navire principal. Ok. Améliore les croiseurs cuirassés et les cuirassés. Malheureusement, tout ça, mes navires qui sont déjà construits n'en profitent pas. Hein. Il n'y a pas l'amélioration des navires en cours. Le seul moment où on choisit la technologie des navires, c'est quand on se met ici et qu'on choisit ici la technologie. De base, c'est toujours la dernière qui est sélectionnée. Mais on peut descendre pour faire des économies en clair. Là, ça coûte 11,48. Si je monte en technologie, hop, ça me coûte 11,57. Mais contrairement à ce qui a pu être dit dans les commentaires, il n'y a pas d'amélioration technologique sur les navires en cours. Là, l'armement est décidé. À part sur certaines catégories, il n'y a pas d'amélioration. Il me semble pas, en tout cas, il faudrait vérifier. Merde, c'est quoi ça? Ah bah si, il y a quand même quelques troupes. Ah, j'ai pas débarqué sur le port. Ça, c'est toujours ennuyeux parce que je peux très vite manquer de ravitaillement. Ça, c'est très chiant, ça. J'aime pas du tout ça. Bon, a priori, ça va passer. Ouais, je pense que ça va passer. Bon, tout à l'heure j'ai dit que j'étais plus rapide que lui, mais là tout d'un coup j'ai quand même des doutes. Merde, j'ai perdu là. Forcément que j'ai perdu, c'est un QG. Ok, là ça avance. On va plutôt faire comme ça. Ok. C'est pas mal. Je vais attaquer cette province-là. Bon, là c'était gagné tout de suite. C'était un QG. Là, je pourrais avancer, mais je manque cruellement d'unité en fait. Moteur de cuirassé, parfait. Donc là, je vais gagner quand même. Ouais. Ok, parfait. Je suis entouré de provinces avec un seul en infrastructure, bien sûr, comme un peu partout dans cette région. C'est pas très grave, on va faire la même tactique que d'habitude. Merde, je peux pas y aller pour l'instant. Je peux aller là. Ouais, ça, je m'en fous. Alors, août 1940. Je suis à peu près prêt en Chine. Il y a encore. Ouais, si, tout est déployé ici. Ici, c'est bon. Là, je peux donner mes ordres. Ok, ce sera bon. Là, c'est juste une question. Je suis pas en déploiement stratégique, mais là, maintenant, c'est bon. Je suis un peu juste ici, je trouve, quand même. Mais. Ce qu'il y a, c'est qu'à partir de ce moment-là, on est à 1 d'infrastructure. Et partout, là, on est à 1. Donc il y a juste cette province-là qui est un peu ennuyeuse. J'espère que ces deux unités-là suffiront. J'espère.
Il m'énerve un peu, je dois dire. Bon, là, je pense que ça va être assez vite gagné, ma foi. Je suis vraiment très supérieur à eux. Je commence à 63 d'organisation, ils sont à 36. Je pense que ça va être assez vite gagné. Ok. Là, je vais continuer à attaquer par là. Ça va être très vite gagné, je pense. Voilà, c'est qu'un QG. À mon avis, c'est qu'un QG. Donc là, je suis revenu. Non, je suis pas revenu à distance. Faudrait que j'avance encore un peu. Je pourrais aussi peut-être avancer ce QG là, comme le front va un peu se déplacer vers l'ouest au fur et à mesure. Je crois que je vais le remettre là. Voilà, il y a le problème de ce groupe d'armées là, qui sert à rien d'ailleurs. Pour l'instant, je le garde, mais honnêtement, il sert à rien, je pense. Deux transporteurs de coulée. Voilà, un autre. Si j'en perds un par jour, ça va pas être la fête. Ok. Où est-ce que j'en étais? Donc ici, j'ai toujours pas pris la ville, ça m'arrange pas. Le port, pardon. Là, j'ai des transporteurs, mais j'ai pas de troupes. Je vais pas les garder là. Je vais les renvoyer à la maison. Pareil, ça, je renvoie à la maison. Ensuite, là, je vais débarquer. Ah merde, c'est une flotte de combat, ça. Rectification. Bon, je vais me préparer à aller attaquer là-bas. Il faut. Est-ce que je peux y aller comme ça directement? Ouais. Ordre de déploiement ici. Ordre de déploiement ici. Là. Je peux pas embarquer. Comment ça se fait? Ah putain, ils sont repartis. Ok, bon, j'arrête la vidéo ici. Je vais reprendre mon île de Ponape. J'envoie deux de mes flottes, ça me fera 26 navires. J'en enverrai bien plus, mais celle-là a encore besoin d'un petit peu de réparation. Ça va relativement vite, mais je préfère remonter vraiment maximum. Allez, je vous laisse. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure, donc pour la suite de ce Let's Play.